Hello tout le monde! Avant toute chose, parlons DPS. Alors personnellement, c'est mon point faible. Je joue avec des gens qui sont à fond dans l'optimisation. Je suis tout le temps en bas de la liste en termes de DPS, donc voici quelques conseils que je peux vous donner si vous êtes malheureusement comme moi. Alors tenir compte des modificateurs de la semaine est une priorité. Ça joue énormément sur votre DPS. Par exemple, si celui de cette semaine c'est d'utiliser votre compétence pour augmenter les dégâts, faites une esquive ou posez une faille avant le DPS. Tenez compte également des armes qui vont procurer un bonus de dégâts. Le canon tracteur, le Divinity, le Gjalla si vous jouez Rocket. Conseil suivant, mettez des mods, c'est très important. Si votre arme lourde est solaire, mettez un mode de surcharge solaire pour augmenter vos dégâts. Tenez compte enfin des intrinsèques des armes. Vous jouez Passage du Gouffre avec publicité mensongère, n'oubliez pas de tirer avec vos armes principales et secondaires avant le DPS. Enfin, mettez des supers qui arrachent, chasseur pistolet, arc à fil obscur, titan crash, peu importe, mais gardez quand même une rade, on sait jamais. Allez, c'est parti, on attaque, c'est le grand retour de Riven au Panthéon. Nous allons devoir l'affronter avec un niveau de différence de 20 points de puissance, alors autant vous dire que ça va piquer. Ça fait au bas mot 5 ans que nous ne l'avions pas affronté avec autant de difficultés. Pour cette raison, l'heure est à la réactualisation avec une reprise des stratégies que l'on appliquait au combat contre Riven à l'époque. Gardez bien en tête qu'il y aura forcément des changements dans le Panthéon, mais au moins vous aurez la stratégie de base. Allez, c'est parti, au début du run, divisez votre groupe en deux, l'un prendra les trois plaques de gauche et l'autre les trois plaques de droite, pour le moment rien de compliqué. Vous fixerez ainsi vos rôles et vos équipes. Dans la descente, quand vous vous rendez au fight, visez la porte blanche, c'est un petit conseil qui vous permettra de gagner du temps et d'arriver plus rapidement dans la salle. Clinez la salle jusqu'à l'arrivée de la tant attendue Riven. Tapez sa patte ou sa bouche en fonction de ce qui va s'offrir à vous. Identifiez les yeux en surveillance. Annoncez clairement aux autres joueurs de quels yeux il s'agit, par exemple G3, D1. Si vous tirez dans les mauvais yeux, ce sera la fin. Pour cette étape, Izanagi, Murmure, Arbalète, Linéaire, bref, prenez absolument toutes les armes de précision avec lesquelles vous êtes à l'aise. Pour vous aider, voici littéralement un plan de la tête de Riven. Pendant ce temps, pour chacune des salles, un mob supérieur va apparaître. Il se nomme l'œil de Riven. Idéalement, pour cette phase, prévoyez des armes et un super adaptés au démobage, car les salles vont se remplir très vite. En éliminant le porteur œil de Riven, vous allez faire apparaître une relique que l'un des joueurs va devoir récupérer. Petite précision, au passage, vous devrez changer régulièrement de porteur de relique, pour ainsi dire à chaque phase, car une fois qu'une relique a été portée, le joueur aura un malus anti-ombre et ne pourra pas reprendre de relique pendant 1 minute 30. Ce joueur donc, le porteur de relique, verra alors un logo au centre de la pièce, logo qui se répétera en colonne. Ce logo, il va l'annoncer à un deuxième joueur, qui lui se tiendra derrière une vitre, en bas, au centre de la salle. Depuis ce point de vue, ce deuxième joueur pourra alors apercevoir des logos répartis partout dans la salle, logos que l'on ne voit pas si on ne se tient pas derrière la vitre. Vous l'aurez compris, tout le travail consistera à reconnaître le logo annoncé par le porteur de relique et à indiquer alors au porteur de relique en question, resté au sol dans la salle, comment se rendre à ce logo. Car lui, s'il voit le logo d'appel, ne voit pas les différents logos dans la salle. A noter que vous serez en miroir pour cette étape, donc accordez-vous. Soit le porteur de relique inverse dans sa tête les calls qui lui sont donnés, soit le joueur derrière la vitre directement annonce la position du logo du point de vue du porteur de relique. Pour cette étape, simplifiez-vous la tâche et structurez la salle. Haut, bas, gauche, milieu et numérotez les zones. Si les logos changent à chaque phase, leur position en revanche restera la même, donc mémorisez-la également. Vous pouvez aussi prendre connaissance de l'apparence des différents logos. C'est vraiment la partie de l'affrontement où la communication sera la plus complexe et la plus fastidieuse, donc préparez-vous en amont, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps. Pour le porteur de relique, donc, via la touche Action, il s'agira d'agir sur le logo qui lui a été indiqué. Si tout est OK, cet ensemble disparaîtra de la salle et vous pourrez remonter. Une fois en haut, nettoyez la salle entièrement et tapez de nouveau l'œil de Riven qui s'y balade. Et les étapes vont sensiblement se répéter tout au long de l'affrontement. Une équipe sera amenée à braquer de nouveau les yeux de Riven et dès que ce sera validé, vous pourrez prendre le portail ascensionnel qui apparaît alors au centre de la salle. Montez et ce sera enfin le début d'une phase de DPS.
Alors à cet instant, ne cherchez pas, il faut du tir critique, des armes lourdes, Izanagi, Murmure, Pistol Rodeur, mettez l'essentiel sur les armes de précision. En revanche, prévoyez tout de même, comme précédemment, des armes et des supers pour le démobage. Répétez donc les opérations, tapez la patte ou la bouche en fonction de ce qui s'offre à vous pour voir les yeux, puis tapez les yeux, tapez de nouveau la patte et la bouche, puis les yeux de nouveau, alternez ainsi les séquences jusqu'à atteindre la fin de la phase de DPS. Puis répétez l'opération et de phase de DPS en phase de DPS, vous allez enfin atteindre le dernier affrontement. Concrètement, après une ultime phase de DPS, vos équipes, en prenant les portails, ne vont pas atterrir directement dans la salle attendue. Ils vont redescendre tout le long du corps de Riven, qui sera cette fois-ci parsemé de pustules. Alors ces pustules, il faut le savoir, elles sont responsables du plus gros du DPS. Surtout, ne les manquez pas. Vous devrez en éclater d'ailleurs suffisamment pour pouvoir vous faire téléporter dans un monde ascendant parallèle. Une fois là-bas, il faudra réaliser un parcours de saut, avec bien évidemment des boucliers phalanges corrompus qui se feront un malin plaisir de vous attendre. Une fois atteint le haut de ce parcours, c'est la fin. Retour à la salle principale et c'est maintenant l'heure du last stand. Pour cette dernière barre de vie, la mécanique sera relativement simple. Il faudra péter la bouche jusqu'à ce que celle-ci s'ouvre et vous pourrez alors rentrer dans son cœur. Une fois dans son cœur, il faudra lui tirer dessus de nouveau jusqu'à le faire exploser. Pour cette étape, les armes de proximité et de corps à corps seront les bienvenues. Alors attention, toutefois, ce n'est pas encore fini. Le cœur de Riven va alors choisir un porteur. Ce porteur va devoir prendre l'orbe qui se trouve au centre de la pièce. Il va devoir l'amener le plus loin possible sur le parcours pendant que les autres le suivent et s'occupent de démober. Il devra annoncer son décompte et à la fin du décompte, tous ses collègues devront s'éloigner de lui car il va se faire téléporter dans le monde ascendant. Attention, si vos collègues restent à proximité, vous serez plusieurs à vous faire téléporter et vous aurez de grandes chances de manquer cette étape. Pendant que les joueurs restants dans le parcours continuent d'amener le cœur de Riven à son objectif, les joueurs qui ont été téléportés au plan ascendant devront alors nettoyer entièrement la salle. Dans ce plan ascendant, l'objectif sera de prendre des boules qui sont dispersées partout dans la salle. Réalisez donc les deux étapes en simultané. Les joueurs qui se font téléporter tapent les boules et les joueurs qui restent dans la salle du parcours achèvent tout simplement le parcours. Quand le but est atteint, tout le monde se retrouve téléporté et c'est fini. Riven est enfin éliminé. C'est donc la fin de cette vidéo tuto qui semble plus fastidieuse qu'il n'y paraît en réalité. J'espère vous avoir donné les clés suffisantes pour affronter Riven. La principale difficulté demain, ce sera bien évidemment le DPS, on va pas se mentir. Vous avez tous les liens des images en barre d'infos si besoin. Je vous laisse sur tout ça. Prenez soin de vous. Bye !